Et bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui au lac de Cécélès, un tout petit lac extrêmement mignon avec le Pic Saint-Loup. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, il dépasse un tout petit peu là derrière les arbres. Je suis en train de préparer une trace pour mon fils, pour une future balade, et du coup je me suis dit que passer par ici était une excellente idée, ce que je confirme. Et je vais longer le lac en fait. Je pense que ça va faire des belles images et en tout cas une balade sympa pour moi au pire. Allez, c'est parti. Ah, il est sympa, waouh! Il me dit que ça, c'est un sédiment vert côté pente. Alors, non, c'est au moins jaune. Mais surtout, je sors d'un sédiment jaune qui était beaucoup moins raide. Alors, est-ce que c'est le lag? Peut-être. Oh pétard! Putain, et ça continue. Oh. Je me suis fait mal dans cette montée. Après, il y a déjà une amorce de jolis paysages. C'est cool. J'ai honte, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est une église, c'est un château, c'est un point de vue. Ah, c'est raide. Ah, c'est... Oh oui. Ouh, miam, miam, miam. Allez, j'arrive chez les gens. Bonjour. Ah, ils sont pas dangereux, ça va. Borderline pied à terre, mais ça passe. Tiens, je suis jamais passé par là. Normalement, c'est à gauche, moi. Mais aujourd'hui, je suis d'humeur à aller regarder un petit peu plus loin que d'habitude. Tout petit peu. Ah bah d'accord. Ça n'aura pas été une grosse exploration. Je me rends compte qu'il y a un petit single que j'avais jamais vu qui est bien caché. Je vais faire un petit détour pour essayer de voir quel tronche il a. Oh, mais que découvre-je ? Pas du tout la balade que j'avais prévu de faire. Ouais. Pas obligé de suivre les sentiers battus. Allez, cette balade devient officiellement une explo. Ah ben non. Route. Merde. Donc je me reprends le single à l'envers. Voilà. Allez, les gens en VTT, ils doivent se marrer en regardant ça. Bah ouais. Mais moi, ça m'amuse de ouf. J'en ai fait hein, du VTT tout suspendu. C'est moins mon truc. Là, c'est le VTT de quand j'étais petit. Ouais.
avec pas de photographie, juste des bons pneus. Ouh, voici, j'ai failli décrocher l'avant. Bon allez, voilà, on arrête les conneries, on est rentré vivant pour manger. Quand il y a fait des trucs comme ça là, c'est un moyen de s'éclater avec gueule. Si on va à 50, pareil là, regardez comme c'est. Faut bien se mettre sur l'arrière, faut les voir. Faut surtout pas se faire surprendre par des trucs comme ça à haute vitesse. C'est rarement le moyen de faire un vol plané. Bon, d'habitude il y a des taureaux là, mais là il n'y en a pas. Alors, on se casse. Je voulais vraiment filmer les deux chats. Ça a l'air d'être plutôt la belle vie pour eux. Saint-Loup et son pote Lortus juste derrière moi. Ouais, c'était couillu là ce que j'ai fait, mais je voulais m'éviter d'avoir à trop mouliner pour remonter. Alors j'aime pas les barrières, sauf celles qui me protègent des chiens, vous voyez. Allez, route de Cécélès, on va aller au lac. D'ailleurs, on va longer le lac de Cécélès, ça va être très joli ça. Alors c'est vraiment, c'est taillé au millimètre pour que le vélo qui passe, là il s'arrache le bras. Quel enfer. Allez, là ça monte. Ah, vraiment ça va être joli là, de mémoire. Ouais, c'est ça. J'essaye de suivre la trace que je me suis faite sur Komoot, qui emprunte des chemins de passage, et en fait cet établissement au bord du lac de Cécélès semble avoir privatisé ce chemin. Ou en tout cas, pour l'instant, c'est l'impression, c'est la compréhension que j'ai du terrain, puisqu'il n'y a absolument aucun moyen de rejoindre le chemin qui est là-bas. Vous voyez, ça n'est pas praticable. Et il y avait un chemin derrière, mais il y a maintenant une bâtisse qui sert des cocktails très chers à des gens sur des chaises longues en bois devant le lac. Alors c'est très bien, hein, je suis pas là pour détruire le capitalisme, encore que ne me tentez pas. Comme le GPS m'indique qu'il faille traverser le bâtiment, j'ai décidé d'essayer de traverser le bâtiment. En
rendez compte quand même que les mecs ont construit un bar lounge au milieu du chemin, quoi. Ça grimpe être le plateau de 42 à l'arrière, c'est bien cool quand même. Très sympa. Mais c'est magnifique. Les barrières, qu'est-ce qu'ils ont avec ça, quoi? Il y a quand même un cas d'utilisation, c'est quand ils font paître les taureaux. Ça m'est arrivé une fois. Je suis arrivé parmi les taureaux. Et j'avais effectivement passé une sacrée barrière. Quand vous faites paître des taureaux, c'est bien normal d'essayer de limiter l'accès aux taureaux par le grand public. C'est comme les portiques du métro, vous savez. Au bout d'un moment, je fais même plus attention. Du métro Héraultais, tout le petit pétard devant. Ah oui. Ouh. Ah ça c'est du pétard. Ah, c'est du pétard, mais pas anesthésiant, quoi. Quelqu'un peut me rappeler pourquoi je m'impose ça, s'il vous plaît. Quand je vois la carrière ce temps là. Non. Ça glisse trop. Ça fait longtemps. Même les pieds glissent.
cette caillasse meuble. Il n'y a pas de honte, hein, à poser pied et à pousser. Jamais, jamais, jamais de honte. Et en fait, je réalise que je suis au milieu d'arbres qui ont brûlé, en fait. Et c'est tout cramé. Et le contraste est assez flippant, en fait. Ouais, il y a un paysage qui est magnifique d'un côté, quoi, qui a l'air luxuriant de loin, et qui, quand on zoome à certains endroits, l'est beaucoup moins. Les vendredis philosophie de Nico. La barrière, elle a brûlé, quoi. C'est un sacré incendie ici, en fait. Si vous voyez les arbres derrière. Downhill gravel, quoi. C'est pas du downhill, mais ça descend et c'est fait en gravel. Personne à droite, personne à gauche. C'est parti, mon kiki. Wow, c'est cool, ça. J'ai les épaules, les cervicales. Ah, le downhill gravel là, ça m'a tué. Sambouzil, que vous connaissez si vous suivez la chaîne, et le puèche des Mourgues. Ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué. Ouais, on tente, mais franchement, c'est... Quoi ? C'est passé. Allez, à la spi. Voilà, on peut se reposer. J'ai pas envie de rester à bouffer son foin. Petite conclusion, bah, j'ai pu tester la trace que j'allais faire à mon fils avant qu'il la fasse et donc découvre en même temps que moi certains passages un peu ric-rac, hein, faut appeler un chat un chat. Donc du coup je vais adapter. C'est vachement intéressant d'aller faire la trace soi-même avant de la proposer aux autres. Ça a l'air d'être une évidence, hein, mais on est tous feignants, moi le premier. Que vous dire de plus ? Je vais vous dire de faire du vélo. J'arrête de dire payer les impôts parce que ça n'a aucun sens. Enfin, il faut payer les impôts, hein, c'est pas ça que je dis. Et puis, bah, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao !